Salut, Belle. Salut, Jared Shapiro, mon cher ami. Tiens, je t'ai apporté ça. Hé, hey, Belle, ton visage est tout rouge, tu te sens bien? Parce que ton visage est rouge, pourquoi ton visage est rouge? Et j'avais aussi envie de te donner ça. Je t'aime. Est-ce que tu m'aimes aussi, oui ou non? Tu dois répondre quelque chose. Qu'est-ce que tu vas dire? Ça va être quoi ta réponse? T'inquiète pas, tu peux me donner ta réponse demain si tu veux. Bon bah voilà, salut. Demain. Belle, est-ce que ça va? Laisse le docteur Rebelle s'occuper de ça. Dis-moi, Belle, combien de doigts je te montre? Deux. Bon, elle compte toujours bien, ce qui veut dire qu'elle doit sûrement entendre ça. Belle, un petit ami, Belle, un petit ami, Belle, un petit ami, Belle, un petit ami. Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'aimes pas Jared? Si, je l'aime bien, c'est juste que si je coche oui, qu'est-ce qui va se passer? C'est très simple, tu vas te marier et vous resterez ensemble pour toujours et toujours et toujours et toujours et toujours et toujours. Oui, elle a raison, c'est un fait scientifique. Belle et Jared vont se faire plein de P-I-S-O-U-S. Ma belle chérie. Jared, mon adoré, que penses-tu de mon dernier roman? Sincèrement, c'est le meilleur que tu aies écrit. Il a déjà reçu des tonnes de récompenses. Et tu vas être nommée reine présidente de tous les clubs de lecture pour toujours. Et je t'aime, mon cœur. Un nouveau roman sorti aujourd'hui. Oh, c'est le plus beau rêve que j'ai jamais fait. Mais rien ne dit qu'il est aussi gentil dans la vraie vie. Bonjour tout le monde. Oh, tu es vraiment ravissante. Les filles, voici le docteur Sapna Nehru. Désolée d'être en retard, mon roux-doudou. Roux-doudou. Oh, merci de m'avoir invitée. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Je veux dire, par le professeur, pas seulement par les infos. Je veux dire que je ne crois pas du tout ce que j'entends à la télé. Enfin, beaucoup de choses. Mais mardi, j'ai vu un reportage sur les défilés de mode d'iguane. Et je suis sûre que ça n'existe pas. Ça existe? Alors je suis allée en ville et attendez, je suis vraiment très bavarde. Je vais me taire. N'est-elle pas merveilleuse? Sapna, est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Oh, Sapna, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu te transformais parfois en monstre? Je suis désolée, je voulais le faire. Seulement, la plupart des hommes sont effrayés quand je deviens une araignée géante. C'est comme quand le petit embout en plastique de nos lacets s'en va et qu'on ne peut pas le remettre dans la chaussure. Mais là, on peut essayer de réparer avec du ruban adhésif, mais ensuite le... Chut! Tout ça n'a pas d'importance pour moi. On pourra essayer d'arranger ça ensemble. Chut! Non, on ne pourra pas. Tu ne comprends pas. Il y a eu un accident dans mon labo. Et maintenant, quand je rencontre quelqu'un que j'aime, je deviens une araignée géante. Je n'ai jamais voulu te mettre en danger. Tant que je n'ai pas trouvé de traitement, je ne peux pas être avec toi. Je suis désolée. Sapna, attends. Oh, professeur! Chanteur que je préfère, Dax, est un des plus mauvais garçons que je connaisse. Personne ne peut le mener en bateau. Sauf si c'est lui qui le veut bien. Et leur manager, Kevin, est vraiment très doué pour l'organisation. Ils existeront toujours grâce à lui, même si un jour ils sont démodés. Et vous venez d'entendre le dernier tube romantique des Sensitive Songs. Trop génial, je les adore. Et le moment que vous attendiez tous est arrivé. C'est votre dernière chance de gagner des billets pour le concert de ce soir. Prenez vos téléphones parce que les billets iront à l'auditeur qui répondra à cette question. Si Chance, le chanteur principal des Sensitive Songs, avait un animal de compagnie, quel animal ce serait? Allô, quel est votre nom? C'est Bulle de la ville de Townsville. Chance aurait un wallaby parce que c'est gentil, mais ça a du caractère. Alors c'est comme les Sensitive Sugs. Tu as raison, petite. Tu veux une crème glacée? Oh, peut-être pas. Je crois que j'ai vu assez de glace pour un moment.